Le micro qui marche pas. Ok, c'est bon, on me voit. Bonjour tout le monde, c'était le temps d'installer tout. J'espère que vous allez bien. Bon, ça, il rapporte pas mal d'argent, on prend. T'as vu que tu peux switch ton arme. Ouais, toi, avec Tab. Parce qu'il faut rencontrer. Tu vas rencontrer. On est sur un jeu, il me rapporte pas mal d'argent. Voilà, j'avais vu un truc ici qui brillait. Du bois, ça peut servir. Ouais. Non, c'est moi, ok. Ah mais ça m'a enlevé mon arme. Mon arme fait plus de dégâts j'ai l'impression. Ah non. Bon ouais, je vais garder celle-là pour l'instant. 60 mm. Ah c'est bon. J'ai le temps encore. J'ai plus d'oxygène qu'avant. C'est quoi ça? Une munition. D'accord. Ah bah une corde. Ouais, allez, maintenant on va plonger parce que... On va quand même ouvrir pour le nouveau schéma. Ça va être pratique. Puis je peux y tirer dans la gueule et ensuite l'attraper. Non, juste aller dessus. Ah mais je suis trop lourd. Tranquillisant c'est bien pour les... Oui. Comment on fait pour l'inventaire, pour jeter des trucs là? Ah. Ok, donc 70 mètres. Nouveau poisson. Ok, 70, on y est presque. Non, le plus tranquillisant, tes poissons sont moins affaiblis. Enfin, sont de meilleure qualité, pardon, parce que tu leur fais moins mal. Ok, donc c'est une histoire de qualité. Ah, c'est ça l'artefact. Dave, je crois que c'est ça. Retourne sur le bateau sain et sauf, je t'attendrai. Ok. Wouah, c'est quoi ce truc? Il m'a vu là. Le Kraken. Qu'est-ce que c'est petit que ça que... Je vais immédiatement retourner au bateau. Oui. Et si je laisse? T'as le truc, la rouge, pour aller plus vite. Ah! Et après, c'est ça, il dort. Je vais le prendre. Oh, attends. Oui. Qu'est-ce que je peux jeter qui me. Ouais, elle est niveau qualité 3-3, tu vois. Ouais, donc les autres trucs là. Genre. Bah, lui, il est nul.
Et il est lourd. Ok. Quoi le truc en dessous? En dessous c'est le boss. Ah bah nickel. Coquillage. Ok, c'est quoi ça? Ouais, j'étais sûr que ça me mettrait trop lourd mais... Et il y avait un téléphone je crois un petit peu plus haut. Un boost. Mon truc de boost qui permet d'aller plus vite. Ah ça? Comment on fait pour l'utiliser ça? Marquis, switch. Ah oui, d'accord. L'occasion de tester le fusil. Ok. Non, je voulais voir si on pouvait spam, mais on peut pas. Ok. Je pense qu'on a fait une belle récolte. Parfait, tu l'as remonté sans problème. Il a l'air en très bon état. On dirait presque qu'il a été conservé quelque part pendant toutes ces années. Très intéressant, c'est même peut-être la découverte du siècle. Bon, Dave, continuons à travailler ensemble pour découvrir les secrets du peuple marin. Je n'avais pas prévu de continuer à vous aider après. Mais bien sûr, évidemment. En échange, vous pourrez mettre le nom du restaurant tout en bas de votre liste de partenaires. Oui, d'accord. Pas de problème, je sens que ça va être une réussite. On se tient au courant. Et salut. Oh, tout ça, 300 d'or, ça j'aime bien. Et Plaxel, nouveau plan. Ça, c'est tout ce que j'ai récupéré, c'est pas mal du tout. Allez, on met tout dans l'aquarium. Ça, ça a l'air pas mal. Eh, salut, je t'embrasse pas. Hein. Dave, les réparations ont été effectuées pendant ta plongée. Allons au restaurant. Mais non, je voulais plonger une deuxième fois, moi. Oh, c'est très joli. C'est pas parce que la nourriture est délicieuse que le restaurant ne doit pas être impeccable. Au fait, si tu veux changer la déco, le menu intérieur est disponible aussi dessous. Alors n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Vous pouvez changer librement l'intérieur du bandeau aussi. Utilisez l'onglet intérieur pour sélectionner un style qui vous convient. Ah, mais comme disait le docteur Bacon, si on découvre des vestiges du peuple marin ici, plus de clients viendront. Mais cet endroit est un peu isolé, alors je pense que je vais devoir trouver un moyen de pour faire de la pub du restaurant. Oui, de nos jours, c'est presque impossible d'attirer des clients sans faire de pub. As-tu essayé l'application des réseaux sociaux appelée Costa? Tu parles du réseau social sur lequel les jeunes publient des photos de ce qu'ils mangent? Oui, tous les restaurants s'en servent pour faire de la pub en ce moment. Quelle perte de temps. Les saucisses sont faits pour être mangés, pas pour être pris en photo. Oui, certes, mais bon.
Faudrait mieux s'en servir que pour se faire connaître tes talents, hein, Bancho, non? Tu n'as pas tort. C'est facile de créer un compte, vas-y, essaye. Tu dois d'abord t'inscrire et créer le hashtag Bancho Sophie. Et voilà. Eh bien, ce n'est pas aussi compliqué que je le pensais. Maintenant, les clients qui apprécient ta cuisine vont suivre Bancho Sushi. J'en suis pas si sûr, mais d'accord, j'ai compris. Je vais également installer l'application Costa sur mon téléphone et consulter les publications des abonnés. Encore un nouveau truc. Téléphone, Costa. Pour l'instant, il y a rien. Like. Like. Ah, il faut que je like tout en fait pour faire des... Voilà, il me demande bronze, mais il faut que je fasse des plats quoi. Ok. Ok. C'est ça que je voulais. Et ça, en fait... Non, j'en ai déjà possédé un, donc c'est bon. Mais à un moment donné, tu vas leur faire. Ah, mais pour l'instant, ça sert à pas. Non, okay. Le truc intérieur, changer la déco, ouais. C'est important aussi. Ah d'accord, ça change ça, ou alors comme ça. J'aime pas ce que hein. Là, j'aime bien. Non, j'aime bien celui-là, mais bon celui-là. Moderne. Parce que t'as pas la thune. Après, faut payer par contre. Bah oui. Ok. Mais... Ah, mon chat. C'est pas bon. Ok. Parce que lui aussi va te donner une mission un jour. Ah, les choses se présentent bien. Si tu souhaites changer le style, essaye de faire depuis le médiateur. Oui, mais c'est bon. Et je peux pas retourner pêcher moi ou je suis obligé de rester là? Non, il va falloir. Si, je peux faire exit. Tu veux préparer? Oui, il est que l'après-midi, je peux refaire une deuxième plongée. Ah, on est l'après-midi, je peux replonger. Bah, je lui ai donné, j'ai été malin. Avant que c'est stream, je lui ai donné du pâté. Donc, comme ça, il a mangé et il est parti se coucher. Il nous fait pas chier. Oh dauphin! Je lui tire dessus. Hein? Un dauphin? Je crois qu'il veut quelque chose. Est-ce qu'il... J'essaie de le suivre? Allez, allez, la requête du dauphin, on y va, allez, c'est parti. Il y a une caisse d'armes. Oh, en plus avec un choc dessus. Let's go. Je suis prêt. Oh, j'ai jamais capturé aussi vite. Oh, elle est légendaire. Oui, j'ai vu, il a été capturé. Le... Ah non, en fait, c'est nul. Oh, de fin rose qui est pris dans le filet. Ah, il faudrait que je vienne au secours de son ami. Il devrait couper ce filet. Non, sans bague.
Papa, papa. La danse du dauphin. Oh, il m'a lâché un truc. Ah, on dirait qu'il m'a laissé un cadeau. Je savais même pas que les dauphins pouvaient avoir un partenaire, quoi. Allez, la quête du dauphin est terminée. Qu'est-ce que c'est hyper là? Bah, t'étais pas prêt à ça, toi. Hop. Bon. Oh, j'ai chopé un truc, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. Capsule d'oxygène? Yes. Ah, pareil. Ah, capture du premier coup. Ah, c'est quoi ces gros trucs là? Ah, super. Ah, je suis déjà en surpoids. Allez, viens là, toi. On va comment? Ouh, hein. Si tu viens me dire bonjour, hein, faut y aller. Hein. On va remonter, hein, déjà. Oh, mais comme ça, je capture tout ce que je vois sur le passage. Truc intéressant, c'est un truc rouge, là. Dans... À la fin. Là, t'as une marmite avec des ingrédients, c'est intéressant. Tu fais quoi maintenant? Oh, je capte tout ce que je vois là. Il va falloir que je monte mon sac très vite parce que le surpoids est. Moi, j'ai encore le temps là pour la bouteille. Ah, il veut plus, ça y est, je suis trop loin. Bah oui, c'est normal. Les objets, bah, c'est le bouteille. Si je la garde, je la garde pour après ou pas? Oh, je l'ai tué. Bah, de toute façon, il est trop lourd, je peux pas le prendre. Il y a des trucs moins bien. Ouais, c'est pas faux, je pourrais regarder. Qu'est-ce qu'il y a eu comme truc de merde? Bah, le truc c'est qu'il y a des nouveaux poissons que j'avais pas encore capturé donc Non je vais garder hein. Bah, je vais juste je vais rentrer hein. De toute façon je crois que même ça je peux pas. Ah si. Ah non il est vrai. Bon ça sert à rien. On rentre. J'ai fait une belle capture hein. Les poissons pour rien, bravo. J'en ai tué que deux pour rien. Ok. Aquarium. C'est déjà la soirée. Hein. Il y a plein de courbatures, mais Bancho travaille seul. Je devrais probablement l'aider. C'est difficile de gérer le restaurant à deux alors qu'on a de plus en plus de clients. Pas assez d'employés. Terminez votre journée et préparez le service. Oui, oui. Oui, j'ai bien fait. Hein. Par contre, effectivement, je tue à moins de viande si je tue avec un fusil. C'est vrai pour les petits poissons. Mais par contre, pour les poissons plus forts et plus gros, il serait plus facile de les affaiblir d'abord un peu. S'ils sont affaiblis, ils saignent. Ou des mouvements imprévisibles. Observez attentivement. D'accord. Si tu as besoin de bonnes armes, tu peux les fabriquer au Death Weapon Shop sur ton téléphone, ça serait utile. Ah, il y a toujours ça. D'accord, et là. Et que ça sert à quoi ça? Ah, c'est les ressources, d'accord. Oh! C'est qui elle? Déjà, elle a un cahier avec un stylo, j'aime pas.
Voilà, c'est bon. Regarde autour. C'est le restaurant de sushi de Bancho, hein. Madame Yoshi. Madame. Je suis venu car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Cockstar. Le nom m'a fait hésiter, mais de là à penser que c'est vraiment ton établissement. De nouveaux plats utilisant des ingrédients jamais vus auparavant. Impossible de goûter ça ailleurs. Un chef tacticien, mais masculin. Bonjour. Bonjour le fisc. Pas vous. Est-ce que les clients parlent de moi aussi? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous amène ici, Madame Yoshi? Oh, diverses raisons. Je voulais voir le restaurant de mes propres yeux. Tu es toujours fidèle à toi-même, on dirait. Eh bien, je ne vois pas pourquoi je changerais. Je continue simplement à m'entraîner jour après jour. C'est pourtant bien ça le problème. La dernière fois, tu as refusé de m'écouter. C'est pour ça que tu as été viré de l'hôtel. Toujours la même rengaine. C'est à cause des clients qui jugent la nourriture sans même l'avoir goûtée. Tu comptes traiter tes clients comme ça encore longtemps? Et continuer à cuisiner des plats immondes? Immondes! Comment oses-tu? La tête de requin entière rôtie est un excellent plat. C'est quoi ce plat de merde? Le requin a été utilisé dans la cuisine à la fois en Occident et en Orient et en Corée. Il a même été utilisé dans des rituels ancestraux. Arrête! Tu n'as pas du tout changé. Je vais juger par moi-même si tes plats sont mangeables dans ce cas. Je te dirai ensuite pourquoi je suis venu. Très bien, tu vas voir de quoi je suis capable. Tu vas découvrir le véritable goût de la viande de tête de requin. Du calme, Mancho, tu t'emballes un peu vite, non? Dave, en tant que chef, c'est un défi que je ne peux pas refuser. Ma fierté est en jeu. S'il te plaît, apporte-moi une tête de requin corail et de l'huile d'olive. Tu veux que je capture un requin corail? Oui, avec tes compétences, ça devrait pas te poser de problème. Mais un harpon ne sera probablement pas suffisant. Prends un bon fusil avec toi. Mais affronter un requin, c'est bien pour dormir. Tu comptes vraiment rester là, les bras croisés, à ne rien faire alors que ma fierté est dispétinée? Vous pourrez trouver un requin corail en allant à droite en plongeant. Bonne chance! Ok, bon, bah, sans parler du fusil pour le tuer, moi. Au lieu de me vendre à deux, de me fabriquer un fusil ou en acheter un dans le trou bleu. Ok. Il faut que j'y aille maintenant ou... Il faut en plus. Elle a de manger ça, les autres plats ça. Ok, vous pouvez désormais rechercher de nouvelles recettes. Utilisez les flammes d'artisan pour élargir votre menu. D'accord. Alors, attendez, je recherche déjà. Tête de requin corail qui a été tuée entièrement, ok. Ok, oui mais... Je veux bien, mais... Je trouve où ma tête de requin? Déjà, tu... Et là, je peux pas y aller tout de suite, toi, servi. Déjà, tu fais tes menus, là. Alors déjà, mais améliore. Pourquoi t'as pas fait tes menus? Oui, mais d'abord, j'améliore. Oh. Regardez-moi comment c'est beau. Oh. Et bien sûr. C'est moi le prochain. Ok. Attendez, hein, je crois que j'en ai encore beaucoup. Oh, celui-là, satisfaction client, ils sont pas prêts. Alors. Tous ceux où j'en ai pas mal. Regarde la méduse. Comment? Regarde la méduse, t'as vu combien? La méduse, je sais pas c'était laquelle. Ah, tu viens de le faire. Ah, oui, pas mal. Mais le prix? Oui, 24. Ok,
Ok, j'ai tout à deux. Ça coûte 4. Allez. Ok. On va, vu qu'elle est là, on va mettre que des plats qui satisfait les clients à mort. Ok. Là j'en ai un 40 aussi, bam. On va en mettre 2, je vais en mettre 2 de chaque. 55. Oh, 75 celui-là. Oh, 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 oh. Bah, je peux pas en mettre plus. Peut-être en rajouter, j'irai. Rajouter. Ouais, ouais, mais là. D'habitude, je fais des 4-4-4. Donc là, j'en ai un de moins que d'habitude. Et vu qu'elle est là, j'ai envie de faire... 11 clients. Hein? Ça fait 11 clients. Oui. Là. Et d'habitude, j'en fais 12, il m'en reste 2. Donc là, j'en ai fait 11. Avec un peu de chance, il m'en restera qu'un. Et j'ai mis les meilleurs plats, là. Parce que je veux avoir des bonnes critiques. C'est parti, on est prêt. Let's go. Ah, mais la tête de requin, je l'aurai pas. Il y aura la prochaine fois. Mon but, c'est d'aller la chercher. Donc avant la prochaine fois qu'elle revient, c'est d'avoir une tête de requin. Elle va c'est bon, oui. Ah, je vous ai servi le top top de la qualité, juste parce qu'il y avait l'hygiène. Ah, j'en sers que 10, il y a marqué en haut. Donc j'en aurai un de perdu là, ce soir. Ils ont déjà pris les deux trucs là d'anguille, hein. Ou de méduse. Fermé pour la journée. Bon, si je suis. Ah, j'en ai perdu, j'en ai eu que 5 sur 10 qui sont venus. Ah, je peux avoir jusqu'à 10 clients, mais j'en ai eu que 5, d'accord. Donc il faut que j'en fasse que 10 quoi de plats. Ça sert à rien. Nouveau, hein, ça c'est bien. Hein, paf paf paf. On a eu un bon bonus, on a fait une belle progression. On n'a pas encore de personne, donc... Et là, il va falloir que je pense à aller sur les réseaux sociaux. Après chaque journée. Bah écoutez, merci d'avoir été là ce soir en ma présence. On continuera ça prochainement. Bah sur ce, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures. Allez, bye bye tout le monde.